Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir exactement. Nous tenons pour une nouvelle leçon pour vous, jeudi. Et nous avons gardé là, les paroles que Maxon Dorilas, qui représentait leçon portugais. Et si vous ne voulez dire tout le bagage, vous êtes capable seulement de dire LP. Jeudi, nous portons pour vous dans la leçon ça. Continuité, pronom démonstratif. Que vous apprenez avec nous déjà. Exactement, nous parlons plus de détails, nous parlons plus de bagailles de prononciation. Après le pain du jour. Rapidement, nous tournons et pour plus de détails dans le son ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de pronom démonstratif que nous te baille majorité na yo déjà dans une vidéo et je dis à nous pral bon détail yo sans perdre du temps. N'a commencé rapidement avec première personne yo. N'a commencé avec première personne yo. Première personne yo pour masculin singulier et pluriel nous te dit c'est esti pour pluriel là estis. Ok, esti masculin singulier, estis. Qui l'a utilisé première personne là? Ou bien esti? Ou utiliser c'est lorsque ou même qu'a parlé à bagay là de tout près. C'est moi qui parle ou du moins c'est ou même qu'a parlé même et puis bagay ou parle de lia de tout près. Le ça ou utiliser esti si c'est masculin singulier. Exemple, moi gagné. Ça n'a même m'a parlé avec yon l'autre monde qui en face moi m'a seulement dit esti papel. OK, m'a seulement dit esti papel. L'elle c'est pluriel m'a utilisé estis. Quel que soit l'autre bagaille l'itaïa ou du moins quel que soit sa ta devant là depuis c'est plusieurs m'a seulement utilisé estis. Et si c'est féminin nous qui t'apprenons, dit par l'autre que esta. Esta, ou à utiliser pour yon bagaille qui au féminin. Par exemple, moi gen ça n'a même m'a parlé avec yon moun, m'a dit esta biblia. Esta biblia. Et pour pluriel là, la bin fait estas. Moi, pas perdu temps dans vidéo ça pour nous dire plus bagay une seule m'a expliqué avec un coup d'exemple et puis pour même vous faire les phrases yo leur parler gon dernier qui c'est istou. Istou lui même dit pas ni féminin ni singulier ni pluriel ni masculin istou. OK, lui fait partie première personne. Première personne, c'est esti, esta. Pluriel là, estis, estas. Et enfin, isto. Ou utilisez-le pour quel que soit bagay là. Par exemple, on est capable de dire isto est meo. Ok? Isto est meo. Quelle différence qui gagne? Lorsque ma piste utilise esti ou bien esta, vous m'obligez à accompagner de yon nom. Tout à l'heure, je me dis esti, et puis je me dis papel. Et puis, ça va dépendre de où qui sort l'édit de papier. Tout à l'heure, je me dis esta biblia. À chaque fois, utilisez le premier groupe là, qui c'est esti. Esta, les doit accompagner ou bien les doit suivre de yon nom. Même si je me fais tout à l'heure. Et l'on a utilisé isto ou pas besoin d'accompagner de quel nom. Parce qu'il n'est pas ni féminin, ni singulier, il n'est pas ni pluriel. Ou seulement dire ça ou abdia ou fini. Vous comprenez? Y'a vu? On pose des questions. N'importe pour deuxième personne. Deuxième personne, il n'y a pas l'autre que si pour pluriel là, esis. S pour masculin singulier, S pour masculin
pluriel. C'est qu'il est qui le même exactement utilisé deuxième personne ça. Deuxième personne non utilisé c'est lorsque ou même quand parler ya bagay ou parler de l'ia li loin. OK? Par exemple, moi en face ou là, ou ap suiv moi et puis m'a parlé de yon bagay. OK? Exemple, m'a parlé de yon moun qui en face moi là. M'a dit est-ce un men? OK? Ça que fait me dire est-ce parce que moun ça m'a parlé de l'ia peut-être li bon côté ou là, c'est côté ou là lié ou du moins li pas près, li pas trop loin ou même m'a parlé avec quoi. OK, ou bien quel que soit l'autre bagaille détaillé depuis c'est masculin singulier ou on peut utiliser SC. Par exemple, moi dit SC ou même SC ou même. OK, SC ou même. M'ba faire une phrase complète, juste utiliser pronom démonstratif yo juste pour qu'on qui l'ont utilisé. Et pour féminin en même qui l'ont utilisé féminin, qui ça féminin a eu féminin c'est essa, c'était fait si c'est pour féminin, si c'est pour féminin ou à utiliser essa. Exemple, m'a dit essa casa. OK, essa casa, ça fait me dit essa casa c'est parce que maison ça ou bien quand ça m'a parlé de l'ia il pas prime les plus près moun que m'a parlé avec l'IA. OK, le ça c'est deuxième personne utilisée. Pour pluriel là, nous connaît masculin pluriel c'est SIS, féminin pluriel là c'est SAS. À chaque fois le singulier SI, à chaque fois le pluriel SAS. Pour féminin SA et pour pluriel là SAS. Et ensuite, gagne isou. Isou. Li pa ni masculin, ni féminin, pa ni pluriel, ni singulier. C'est même genre, ou utiliser, ou gen doit dire, isou est tel bagay. Ou bien, isou est bonita. Isou est muito forte. Le sa, même j'aime te bon. Yon remak, so, première personne yo. C'est même petit bagage là. Regardez pour vous. L'aime dit est-ce, m'a dit homen. L'aime dit essa, m'a dit casa. Qui donc à chaque fois utiliser est-ce ou bien essa, il doit toujours suivi de un nom. OK, ou doit citer un nom et pour dire ça on me dire. Mais lorsque on utiliser isou ou fini, ou pas besoin, ou pas gain qu'une obligation pour ajouter un nom derrière ou seulement faire phrase. Point bas, quelque pose. Rapidement, avant de dans troisième personne. La troisième personne, yo parle autre que Akeli, Akela. Et pour pluriel là, Akelis, Akelas. Akeli, c'est pour masculin singulier. Et pluriel là, c'est Akelis. Pour utiliser Akeli ou bien Akelis, c'est lorsque ça ou même moi parler avec moun ki en face ou bien moun ki avant là li pa ni bon côté ou li pa ni bon côté moun ou pa la avec là son bagay ki peut-être te passé longtemps ou bien son bagay ki très loin de ou avec moun là. OK, ou utiliser à quel vous le comprendre yon moun nou te wè ça fait longtemps. Yon bagay ou te wè ça fait longtemps ou bien des quelques minutes que nous te wè bagay la ou bien nous te wè moun nan ou du moins bagay la te passé quelques jours ou bien par konnen quelques heures le sa ou ap utilize akeli. Si c'est pour féminin ou ap seulement dit akela. Est-ce que m bezwen fè yon phrase? Non. Même j'aime de gen doit dire akeli alouno que vous se me falo. Akeli alouno que vous se me falo. OK, le ça moi te gen ta di moun nan yon bagay deja et puis peut-être moi moun nan ti jan pas trop comprendre ça me dit là ou ça me dit là pour le ka soumen me dit a quel y a l'homme. OK, le ça ou utiliser a quel y
mon parle avec là de ça on parle avec là pas ni koto ni kote mon là s'il c'est féminin on dit à quel là est-ce que vous comprenez et enfin gen akilou li pa ni masculin ni féminin ni pluriel ni singulier ou capable utiliser nan place n'importe genre ou bien et nombre akilou OK par exemple m'tap di moun map di moun nan vosse lembla di et da historia ki vosse me explique dit qu'est-ce à qui le que vous se me fallon ting OK le ça ou vle fè moun nan sonje de ki ça ou li ta parle là ou bien de ça ou parle là ou ben ou di moun nan ou sonje histoire ou te parle ou bien t'ap explique mi ou t'ap explique nan moun nan di ki histoire ou di so t'ap expliquer nous bon t'ap parler avec hier ou me faire geste là c'est juste pour montrer un bagage qui pas ni bon côté ou ni bon côté ou bien son bagage qui passe longtemps ou bien quelques heures quelques minutes ou bien quelques jours le ça ou utiliser troisième personne là qui c'est akili pour masculin akilo qui pas ni masculin ni pluriel ni féminin ni singulier akela pour féminin et puis nous connaît pluriel là c'est akelas akilis parce que on prend tout temps tout ensemble pour m'expliquer vidéo ça ou qu'a trouvé que moi un peu frette c'est juste pour me capable expliquer normalement ça que m'a porté pour aujourd'hui n'a fait résumer ça nous t'ai parlé aujourd'hui dans leçon ça songer c'est leçon portugais qui porte leçon ça pour avec collaborateur Maxon Dorilas qui a parlé avec vous là. Aujourd'hui, nous t'ai parlé de pronom démonstratif. Nous dit pronom démonstratif là, gagne première personne, gagne deuxième personne, gagne troisième personne. Pour première personne, yo, c'est esti, estis, esta, estas, isto. Yo même yo ou utiliser yo lorsque c'est ou qui a parlé et puis bagala li près ou bien bagala tout nan men. OK? Bagala li bo koto la ou bien li tout nan men ou OK le ça ou utiliser première personne yo deuxième personne yo pa l'autre que ainsi ou bien ainsi ça ou bien ça et gagner isou c'est lorsque moi même m'a parlé et puis bagala li pa bo côté nan du tout mais li bo côté ou bien li un peu près moun que m'a parlé avec lui a fait ça m'a utilisé deuxième personne et troisième personne yo yo parle que akeli akelis akela akelas akilo c'est lorsque ça m'a parlé de lui a li passé quelques jours ou bien li pas bon côté bien dit oui ça m'a parlé mon nan de li a li pas bon li passé quelques jours bien quelques heures m'a connait un moment avant ou du moins li pas ni bon côté mon m'a parlé avec la pas ni bon côté pam là mais ça n'a utilisé troisième personne songez isto isou akilo yo pas ni masculin ni singulier ni féminin ni pluriel ni quel que soit ça autia yo pas ni en genre ni en nombre parce que vous comprenez vous comprenez abonnez vous comprenez donc bonus que m'a baou avant que fini exactement avec le sens aujourd'hui c'est isou yo utiliser isou yo façon pour dire ouais c'est ça même. Par exemple, ou kon nou enèk yo kap jo boule bi, nèk a fò chout, baou, nèk a djou isou kala. Ou di mwen, ou di moun nan yon bagay, ou bien moun nan djou yon bagay, epi moun nan djou isou. Se nan lide pou l'djou se sa, se vre, ou pran, pou l'encourajou, pou l'djou oui, ou utilize isou pou menm bagay sa. Basè ke, ou kompran? Et nous pas besoin de perdre du temps, non. M'en blesse au là.
Et vous êtes à connaître tout ça pour faire une vidéo ça, c'est la guéon. Et puis, font l'autre journée. Vous comprenez? D'ailleurs, elle intéresse. Font l'autre journée. Quittez commentaire ou bien quittez question pour me capable de réponse. Et pour ça, faire plaisir tout. Je pense que, laissez là. Que bon Dieu bénisse nous. Bon Dieu avec vous. Je ne vais jamais suspendre même petit bagage là et me penser quoi dire ensemble avec moi pendant ma vie là. Adieu, soit la gloire.